Fonctionne. OK. Je vais juste m'assurer que j'arrive à voir qu'est-ce qui se passe en même temps. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous dans le groupe Le Pouvoir des Huiles et de vous annoncer c'est quoi l'expérience positivante, l'expérience revitalisante. Donc, juste avant de commencer, prenez le temps d'aller identifier vos amis, prenez le temps d'aller taguer les gens pour qui ça pourrait être d'un intérêt. Et je vais vous expliquer en fait tous les détails sur cette expérience-là, puis pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir cette expérience-là. Donc, un, je veux que vous sachiez que j'étais nutritionniste pendant 15 ans, vous le savez sûrement déjà. Et dans mon expérience clinique, en consultation, ce qui m'a déçu le plus, c'était de voir les gens qui recommençaient sans arrêt à faire du yo-yo. Qui recommençaient avec leur grande résolution du début de l'année et finalement que tout lâchait après un mois. Et ça, j'ai pas envie de vous communiquer ça, ce genre de résolution-là, puis ce genre de... J'ai envie que vous puissiez bâtir de l'intérieur pour que vous puissiez vivre votre vie vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous enseigner et c'est ce que j'ai appliqué comme ma propre médecine depuis le début. Okay? Donc, quand j'ai commencé comme nutritionniste, je mangeais vraiment pas bien. Je ne voulais pas être nutritionniste. J'ai été là comme si c'était un bifurquement et puis finalement, la vie m'a fait apprécier ce travail-là, ce métier-là. C'est devenu vraiment une passion, apprendre à transformer mon alimentation. Mais comme je partais d'une alimentation qui était vraiment insalubre, tu mangeais des croquettes, me lever le matin puis manger les restants de dessert, égaliser le gâteau, manger des toasts au Nutella, des céréales super sucrées, aller mettre de l'essence et puis m'acheter deux, trois tablettes de chocolat. Tu sais, je veux dire, je suis partie de loin, manger du pain blanc, il n'y avait rien de fibre, tu sais. Puis, pour moi, apprendre à changer ces habitudes-là, c'est devenu un jeu. Puis j'ai envie de vous transmettre ça, cette notion-là de jeu. Donc, ma philosophie, c'est vraiment l'expérience positivante, essayer des choses, explorer, en sachant que ça se peut que ce soit pas bon, ça se peut que ce soit pas si hot que ça, mais en maximisant nos chances que ce soit vraiment bon. OK? Donc, le but, c'est que les choses goûtent bon. Le but, c'est que vous ayez beaucoup plus de pleine conscience dans votre façon de vous nourrir physiquement, vous nourrir émotionnellement, vous nourrir dans différents angles. Donc, j'ai envie de vous amener plus de pleine conscience. Une chose que j'ai découvert dans les dernières années, les deux, trois dernières années, c'était à quel point le pouvoir des plantes est incroyable. Donc, salut Julie, salut Marie-Gabrielle. Donc, le pouvoir des plantes de par les pousses de jus d'herbe d'orge, de jus d'herbe de blé, de jus d'herbe d'avoine, de alfalfa, le pouvoir aussi de la poudre de brocoli, de chou. Donc, le pouvoir des plantes, c'est assez incroyable pour venir décristalliser des choses dans nos cellules. Et même, je vous dirais, dans nos façons de penser. Donc, de vivre une expérience pendant 30 jours, puis je crois vraiment que quand on saisit à quel point une expérience nous transforme, on a le goût de la garder, cette expérience-là. Donc, pendant 30 jours, le fait de prendre un probiotique à tous les jours pour venir nourrir votre microbiote, votre intestin, de prendre à tous les jours vos fibres pour sortir les déchets sur une base régulière, mais ce n'est pas des fibres, ce n'est pas n'importe quelle fibre qu'ils ont mis dans les fibres chez doTERRA. Ils ont mis de l'artichaut de Jérusalem qui agit comme prébiotique. Ils ont mis à l'intérieur de la graine de lin qui joue aussi sur notre système hormonal. Ils ont mis à l'intérieur de la poudre de fibres d'avoine, pas d'avoine, mais de pomme. Donc, c'est des fibres extrêmement douces. Puis les fibres douces, ce qu'ils font, c'est qu'ils absorbent sur leur passage tout ce qu'on n'a plus besoin de traîner dans notre intestin pour aller l'éliminer. Donc, si on augmente notre capacité d'élimination, si on augmente notre capacité d'avoir un intestin qui est sain, si on augmente notre capacité à se transformer dans la cellule même, donc de par nos greens ou de par nos jus verts qu'on pourrait se faire. Puis personnellement, les jus verts, là, quand j'ai exploré ça, les jus verts puis les smoothies verts, c'est-à-dire d'apprendre à intégrer vraiment plus de légumes dans ma vie,
J'avais peur que ça goûte pas bon. Donc, j'ai découvert des façons de faire qui faisaient que c'était bon, que c'était comme savoureux. Puis moi, mon but, c'est de vous amener vers une alimentation qui vous transforme de l'intérieur, mais aussi qui est savoureux. OK? Donc, pendant un mois, on va vous amener, à partir du 20 janvier, on va vous amener à explorer différentes choses. Donc, explorer différentes saveurs, explorer différentes textures, explorer les smoothies, les jus verts, les différents super aliments qu'on peut y ajouter, explorer des façons différentes de déjeuner le matin, explorer différentes façons d'intégrer plus de légumes dans nos repas en général. Donc, pour moi, c'est comme un précurseur à vivre le vrai Cleanse and Restore qui va être au mois de mars. Donc, faire une vraie détox, c'est pas en janvier que tu fais ça. En janvier, on est un mois où c'est l'hiver, il fait froid, la nature est encore endormie. Donc, ce qu'on a le plus de besoin en janvier puis en février, c'est vraiment de rehausser notre humeur, rehausser notre vitalité intérieure. Donc, c'est vraiment de l'intérieur qu'on veut travailler. Et pour être capable de faire ça, ça demande de remonter notre énergie vitale avant de faire une détox, avant de faire un Cleanse and Restore. Donc, la détox est super recommandée à chaque changement de saison. Donc, c'est vraiment d'agir avec la nature puis avec les cycles de la nature. Donc, chaque changement de saison, c'est super important. Mais en janvier, on veut solidifier, on veut augmenter notre vitalité intérieure. Donc, c'est pour ça qu'après le temps des fêtes, on a tous mangé plus de chocolat, plus de sucré, plus de gras, plus de toutes sortes d'aliments, plus d'alcool pour certains aussi. Donc, c'est juste le temps de explorer de façon positive, à dire, OK, j'installe une base, mon probiotique, mon green, mes fibres. Personnellement, je les mélange ensemble, les deux. Mes greens puis mes fibres, je les mélange ensemble. Et mon probiotique, je le prends le soir avant de me coucher ou à jeun le matin. Puis, donc, fibres, il y a quatre éléments. Puis l'autre, c'est l'huile essentielle d'agrumes. Donc, les huiles essentielles d'agrumes, ceux que je vous recommande le plus, c'est le pamplemousse. Parce que le pamplemousse agit pour faire un drainage lymphatique. Donc, vraiment faire déménager nos déchets du temps des fêtes, on peut les sortir quand même assez facilement. Donc, une huile d'agrumes, soit sous les pieds ou soit directement dans votre eau. En général, on va prendre à peu près l'équivalent de 5 à 10 gouttes d'huile d'agrumes par jour. Donc, on pourrait dire 2-3 gouttes par repas. Fait que c'est vraiment chaque repas, je prends mon verre d'eau avec mes huiles d'agrumes. Donc, pamplemousse, ça pourrait être la lime, ça pourrait être le citron. Donc, dans les prochains jours, d'ici le 10, je vais vous donner les propriétés de chacun, pourquoi est-ce que c'est important à ce temps-ci de l'année. Puis encore mieux, si vous avez plusieurs sortes, parce que personnellement, si je mélange, mettons, mon huile, si je veux commencer à manger moins sucré, au lieu de dire, OK, là, je coupe le sucre, ben commence par faire une exploration. Commence par faire une exploration, dire, essaye, mettons, le yogourt nature, puis mets des gouttes d'huile essentielle de lime à l'intérieur, puis rajoute, admettons, des framboises congelées à l'intérieur. Tu vas voir à quel point le mélange framboise et lime ensemble, c'est comme juste incroyable. Puis, donc, c'est ça, fait que je vous amène à explorer des saveurs, mélanger ensemble certaines saveurs pour sortir de votre champ de croyance qui était. Quand je mange ça goûte pas bon. Quand je mange ça, c'est plate. Oh, ça va tellement me manquer. Ben, si tu as exploré différentes façons de t'alimenter, ça se peut que ça te manque plus finalement. OK? Donc, pour avoir vécu ça, pour ma santé, il a fallu que j'enlève complètement du gluten. Pour ma santé, il a fallu que j'enlève complètement les produits laitiers. Puis, ça a été des deuils. Mais ça a été des deuils où j'ai redécouvert d'autres nouvelles choses. Et c'est ce que je vous invite à faire pendant 30 jours, c'est de mettre votre esprit à ouverture, d'explorer différentes saveurs, différentes odeurs, différents goûts, différentes façons aussi de procéder dans votre mois. Donc, ça ne sera pas un mois de détox, ça va être un mois d'exploration positive pour faire en sorte que, puis moi, j'ai vraiment hâte de voir parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont marqué. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir moins la dépendance au sucre, avoir moins le goût du sucre, avoir moins le besoin de sucre, sucre sous forme de dessert, gâteau, biscuit, ou sucre sous forme de sirop d'érable, miel qu'on ajoute dans nos trucs, peu importe c'est quoi votre forme de sucre. Et pour ça, juste de prendre vos greens, vos fibres, vos probiotiques et d'avoir des protéines au courant de votre journée, juste ça peut faire toute la différence. Puis après ça, quelques notions de pleine conscience peuvent aussi faire toute la différence. Donc arrêtez de vous dévaloriser parce que vous n'avez pas réussi à maintenir la bonne habitude.
C'est comme, ça sert à rien, là. Je vais juste aller lire. Gros coup de cœur pour le pamplemousse. J'ai plus les pieds enflés depuis que je bois mon verre d'eau avec pamplemousse chaque matin. C'est hot, Amélie! Watata! Explorer, c'est tellement important. Le jour où j'ai goûté le beurre végétal, je me suis demandé pourquoi j'avais pas goûté ça avant. Mais c'est ça. Puis tu sais, si tu dis, OK, le beurre d'amande, admettons, c'est quelque chose qui est tellement riche en calcium, c'est quelque chose qui est tellement riche en nutriments. Il n'y a pas de gras transformé à l'intérieur. Mais si tu l'attends de la journée de la diète, mettons, là, tu sais. Puis là, tu vois ça comme une punition. Le but, c'est de ne pas voir ça comme une punition, mais voir ça comme une exploration. Puis te dire, OK, pendant un mois, là, je vais, pendant, en fait, idéalement, pendant les 3 prochains mois, je vais me mettre en mode exploration jusqu'au mois de mars. Comme ça, au mois de mars, vous allez savoir exactement si votre but, c'est d'ajouter plus de légumes cette année. Si votre but, c'est de manger moins de sucre cette année, bien, commencez par explorer des façons de s'alimenter qui fait que s'il y a moins de sucre, ça va goûter aussi bon. Désensibiliser votre langue, par exemple. Et juste de voir qu'est-ce que ça fait si je prends mes greens, mes fibres, mon probiotique et mon huile essentielle de citron sur mes comportements alimentaires, sur mon énergie, sur mon... Parce que quand il nous manque d'énergie, on la cherche par la bouffe. Donc, sur mon énergie, sur mon humeur, puis comment est-ce que je vais avoir une estime de moi qui va être meilleure, puis que je vais rehausser ma vision de moi-même, de ce que je suis capable d'accomplir, de ce que je suis capable de faire, de qui je suis, à quel point je suis fière de moi. Donc, juste de voir cette transformation-là qui se passe dans votre tête, juste parce que vous l'avez intégrée en ajoutant des choses pendant un mois de temps de façon assez continue. Puis il n'y a rien qui se fait comme... T'as pas à te taper sa tête si t'as oublié, je sais pas, les journées du week-end, là. T'sais, je veux dire, c'est vraiment une expérience positivante. Donc, dès que t'es pas en train de positiver ce que t'es en train de faire, t'es plus dans l'expérience. Okay? Donc, le but, c'est vraiment de voir ça comme... de la bienveillance, de la douceur avec soi-même, de l'exploration, du jeu. Ça va être vraiment ce thème-là. Donc, à partir du 20, on va ouvrir un groupe où on va faire des publications de différentes recettes. Toutes les recettes coup de cœur. Les conseillères, c'est des femmes qui, quand même, ont déjà intégré de la salubrité intestinale, des bonnes habitudes de vie pour la plupart. Donc, chacune ont leur recette coup de cœur, wow, c'est leur wow. Fait qu'on va vous présenter les wow de toutes les conseillères de l'équipe en termes de smoothie, en termes de jus vert, en termes d'enseignement, qu'est-ce qui a fait une différence dans leur vie. Puis, même chose pour moi, donc, je vais venir vous faire des enseignements, autant de pleine conscience, autant de quelle huile mélanger avec quoi. Puis autant des recettes. Donc, ça va être 30 jours de ça. Donc, il faut que vous ayez vos 4 éléments pour pouvoir faire partie du groupe. Et si vous n'avez pas les 4 éléments, ben il y a un frais. Donc, il y a un frais de gestion, tout simplement. Donc, il y a un frais de 10 $ plus taxes. C'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment juste une question de reconnaître. Nous autres, on veut vraiment reconnaître les gens qui prennent le temps de construire leur santé de l'intérieur, parce que quand vous construisez votre santé de l'intérieur, vous construisez qui vous êtes à l'intérieur de vous, puis vous faites, vous rendez le monde meilleur autour de vous, vous rayonnez plus autour de vous. Si vous êtes plus heureux, si vous êtes mieux dans votre corps, si vous êtes en paix à l'intérieur de vous-même, par défaut, vous rayonnez, puis c'est ça qu'on veut vraiment récompenser. Donc, si vous investissez en votre santé puis en votre bien-être, dans votre programme fidélité, ben nous, on veut juste vous reconnaître de ça. Donc voilà, est-ce que c'est plus clair pour vous? Petit conseil, c'est vraiment, voyez ça comme, OK, quand je vais faire le Clean and Restore au mois de mars, qu'est-ce que j'aimerais vraiment être capable d'avoir réussi à intégrer comme un pet, comme changement? Est-ce que ça serait de retirer l'alcool? Est-ce que ça serait de retirer le sucre? Est-ce que ça serait d'ajouter vraiment plus de légumes? Est-ce que ça serait, tu sais? Puis comme ça, votre mois de janvier, ben janvier-février, vous allez pouvoir vous le mettre en mode j'explore ça à fond, les différentes façons, sans me mettre de pression aucune, mais juste en mode exploration. OK? Et donc, commandez vos choses. Par contre, je veux juste vous dire, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que je peux quand même prendre mon trio Lifelong? Oui, clairement, parce que tous ceux qui prennent leur trio Lifelong Vitality Pack, vous allez voir à quel point vous avez une solidité puis un calme à l'intérieur de vous, déjà comme un autre niveau déjà, là, tu sais. Il y a des gens qui ont de la misère à prendre des capsules, des compléments, des suppléments, des capsules. Donc, si c'est votre cas, ben, le challenge qu'on vous offre ce mois-ci, il est juste parfait parce que tout est en shake, poudre, dans de l'eau. Les capsules de probiotiques qui s'appellent PBAcyst, on pourrait les prendre sous forme de paille, prébiotiques, de probiotiques junior qu'ils appellent aux États-Unis.
Et puis, si vous prenez votre trio Lifelong Vitality Pack, ce mois-ci, moi, je vous dirais, dans les choses à penser, ajoutez les Mytho 2 Max, qui sont des plantes adaptogènes de ginseng, d'ashwagandha, de cordyceps. C'est des cofacteurs qui viennent travailler dans la mitochondrie pour produire plus d'énergie. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'énergie vitale de plus, n'hésitez pas à rajouter 2 capsules le matin de Mytho 2 Max, puis 2 capsules l'après-midi de Mytho 2 Max, ou 1 à 2, si vous avez une baisse l'après-midi. Ça va vraiment vous supporter pour passer au travers l'hiver. L'autre chose aussi, ayez une base en vitamine D. Donc, une base en vitamine D, si vous prenez le trio Lifelong Vitality Pack, vous avez 1600 unités. Si vous prenez 3 petits comprimés On Guard, les comprimés On Guard là, sont vraiment fabuleux parce qu'ils contiennent de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D. Donc, au niveau immunitaire, c'est vraiment un bijou. En prévention, j'en prends 3 par jour et ça contient 600 unités de vitamine D. Donc, personnellement, si je prends mon trio, puis si je prends ça, c'est comme ça vient vraiment compléter. En termes de quantité de vitamine D qu'on aurait besoin dans une journée. Et la vitamine D, c'est à utiliser à l'interne tant et aussi longtemps que le soleil n'est pas revenu à un niveau où on peut vraiment l'absorber avec la peau mise au soleil. Donc, pensez à ça. Puis au niveau de l'humeur aussi, si vous avez besoin d'avoir vos oméga-3. Donc, quand vous avez le trio Lifelong, vous en avez. Par contre, ceux qui ont vraiment tendance à la dépression saisonnière, n'hésitez pas à aller chercher un complément d'oméga-3 de plus. 1 000 mg de EPA, c'est toujours une super bonne idée. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires pour vous, faites-moi savoir. Dites-moi si vous avez hâte au vin. Il y en a qui m'ont demandé si j'ai pas reçu mes produits avant le vin, est-ce que ça dérange? Non, ça dérange pas parce qu'à partir du moment que tu rentres dans le groupe, tu vas pouvoir commencer à essayer ces recettes-là. Par exemple, je vais vous transmettre une liste d'épicerie avec différents ingrédients qui ça vaut le coup de pouvoir les explorer pendant le mois. Donc, vous allez pouvoir dire, hey, OK, ben, je vais l'essayer celui-là. Tu sais, je vais l'essayer, par exemple, telle recette de smoothie vert. Ou si vous achetez les protéines à base de chocolat, les protéines au chocolat de doTERRA sont vraiment super bonnes. Je vais vous donner différentes façons de les intégrer aussi. Donc, autre que le shake, on peut les faire en crêpes, on peut les faire en muffins, on peut les faire de différentes façons. Donc, je vais vous donner aussi des recettes par rapport à ça. Donc, comment est-ce que je peux les cuisiner pour me faire une collation soutenante l'après-midi? Donc, ça va être d'autres trucs aussi que je vais vous donner. Puis, j'ai vraiment hâte. Faites-moi savoir sur quel angle ça vous appelle le plus. Comment qu'on fait pour avoir accès au groupe? Merci, Julie! Donc, tout simplement, le lien Eventbrite va être déposé juste comme dans la présentation ici, là. C'est-à-dire, tantôt, je vais déposer le lien. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer. Il va y avoir le lien gratuit et il va y avoir le lien payant. Donc, tout simplement. Donc, le lien gratuit, c'est pour les gens qui ont leurs 4 produits qui ont présenté en bas, dans les commentaires. Tout simplement. Donc, pas plus compliqué que ça. Et puis, ceux qui veulent rentrer sans avoir les produits, donc, vous avez juste à prendre le lien qui va être payant. Donc, les 2 liens vont être déposés juste en haut. Tout simplement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Puis vous me direz, vous, qu'est-ce qui vous appelle dans ce défi-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'y participer? Puis pas de farce, juste de vivre une expérience de transformation. À chaque fois que vous vivez une expérience de transformation, ben, ça vous amène ailleurs. Ça vous amène toujours à un niveau plus loin dans ce que vous voulez être, dans ce que vous voulez incarner dans votre vie, dans votre quotidien. Et je vous dirais, profitez-en pour aller écrire dans les commentaires, qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux incarner dans ton année 2022? Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux incarner dans ton année 2022? Plus de quoi? Moins de quoi? Donc, on met la photo preuve d'achat de vos produits. Tout simplement. Donc, mettez la photo preuve d'achat de vos produits juste en bas. Donc, quand vous avez votre facture, vous allez dans votre système. Si vous avez sinon vos 4 produits, vous les prenez en photo, puis vous les mettez. J'ai manqué le début, on peut te réécouter. Ben oui, le live va être disponible. L'autre chose que je vous disais, c'est que comme le Cleanse and Restore va avoir lieu en mars, moi, je vous suggère
Ceux qui ont pour qui payer un clean and resource, c'est 350. Fait que si vous voulez répartir vos dépenses, c'est aussi super intelligent de faire ça. Que ce soit en utilisant vos points cadeaux, que ce soit en répartissant votre budget. Mais sachez qu'à 125 PV, vous allez recevoir le cadeau gratuit du mois qui est la menthe japonaise, qui est très rafraîchissante, donc très énergisante. Aussi, vous allez pouvoir faire partie d'un concours qu'on va faire pour les gens qui font leur commande de 125 avant le 15. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, ben c'est ça. Fait que c'est juste comme intelligent de penser à planifier pour que vous ayez votre budget, que tout le monde soit bien. Yes. Bon. Alors, je vous laisse sur ça, les copains. Fait que vous me direz, c'est quoi votre mot du mois? Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner pour, pas votre mot du mois, mais votre mot pour l'année? Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner pendant le mois janvier, février, mars, avril, dans les prochains mois? C'est vraiment mon truc à moi. C'est vraiment ça. C'est en début d'année, je me demande qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer cette année à l'intérieur de moi qui va faire que je vais devenir la femme que j'ai envie de devenir, qui va faire que je vais vivre les expériences que je veux vivre dans ma vie, puis surtout que je me permets de rêver. Fait qu'on part de se permettre de rêver, puis on part d'une intention de qu'est-ce qu'on va construire à l'intérieur de soi, puis après, on commence à mettre des petites actions dans notre quotidien qui représentent ce qu'on veut incarner. Ciao, ciao tout le monde!